Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. L'émission absolue sur l'ensemble, la situation politique dans notre pays. À la une, j'ai téléspectateurs. On va commencer cette émission avec la MONUSCO. Bidou Keïta part du départ de la MONUSCO. Bokoyo qui interview Makambo à Lobby. Et puis, dans la deuxième partie, on va parler à démission. Il y a Vidiye Chimanga, ou Aza, conseiller stratégique, il y a chef de l'État. Bokoyo qui sort de son silence. Après, on y a sur l'équipe. Bokoyo qui est alors, tous à la connecter. Mais tu ne développes pas mon émission. Deuxième point, chers téléspectateurs, Bakangi Bandeko, le recruteur, les ravitailleurs des ADF, en lien avec RDF M23 aux arrêts à Ituri. Donc, Bazali n'a lien na M23P. Alors, Bakangi Bango Bandeko, na Ituri Boko Yoka, message. Alors, tous à la connecter. Peut-être qu'on développe pas mon émission là-dessus. Troisième point, chers téléspectateurs. Ah, tout qu'on divise en Wande. On va parler d'abord, il y a site une des femmes de Nord Kivu à l'abri des nations pour exiger la libération de Bunagana. Après ça, tu y a qui va maman. Et puis, tout qu'on y a Kambosso. Mboso appelle à Kagame à arrêter de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Ezaya Koyinda, Esi et Yindi, Mboso, Alobi Penana, Kagame. Alors, Bande Koranga, tous à la connecter, peut-être qu'on développe mon émission là-dessus. Chers télécitateurs, émission là-dessus, Bande, comme d'habitude, toujours, place aux alliés, Yersa Moninga Tango et Koki. Et le week-end à l'île samedi, tout sur la Masoula et DC. Yemse baninga nyonso eti tango otosu naka tozala tout autour ya Congo News 24. Bandeko premier point na biso ezala MONUSCO. Bandeko bokoyo ko bintu keita lobi o azala representant de la MONUSCO en RDC et la DC si que bango départ na mo deja basiba bongisa banaka depuis 2014 mais balongwa kandamu ndamu. Pour le moment, Bayo se concentre dans trois provinces. Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. A expliquer, je comprends la situation de Nyonso ou Eleki, mais ma partenaire, ou Bayo travaille dans Bango. Bango, Bayo tala Makamoso sur place au Bamba Tiki, dans ma province. Wana. Donc, na EDC, Bango Bazaka Kana, Ituri, Nord Kivu, na Sud Kivu. Donc, Bayo je suis pas Moussouti. Alors, je vais expliquer ce que je veux pour le départ. Quand on a un point, un mouvement citoyen, il fallait appeler sa plan. Parce que ce que MONUSCO a publié officiellement le départ, MONUSCO a publié un mot. Pour bazana makambe a bien basalak wana ba jeune congolais ba kino kutana na MONUSCO. Alors soki bango ba pesaka programme na bango officiellement ya départ tonton mona ba décote mais comme bango ba vandanyi na ba agenda caché ya wana ba jeune congolais mouvement citoyen ba jeune ba ko kutana to yo kapé ba zona. En tout ça, ils ont faute à nan. Ils ont faute à Bango Moko. Moi, je ne sais pas congolais que Bissot a trouvé une date, moi, trouvé une date. Le quoi, moi, je bati. Bah, j'ai un balobi, en tout cas. Bah, ça peut être un travail, monsieur, bah, ça l'a bien. Mais, monsieur, la majorité, bah, c'est échec. Parce que depuis, bah, il y a 23 ans, multiplication de groupes armés, désordre dans l'Est, le peuple continue à mourir. Alors que Bango Bazawana, Bango Balubara, mission à Bango, et ça pour protéger la population.
Mais à RDC, ce n'est pas le cas. Les Congolais ne voient pas ça. Les Congolais, ils ont un caca de mort, mais ils ont une protection de MONUSCO. Alors, si tu as un caca de lobby, tu as un jeune. Alors, d'abord, tout le temps, tu as un jeune. Après, Petoyoka, Toyoka da Bintu Keita, Petoyoka, Ndeni Makamongoli Kaki. Première partie, Bogoyoka Bintu Keita, sur le départ à MONUSCO, Ndeni Batikali Kakana, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Alors, Bajen Oibaye Koutana MONUSCO. Le mouvement Forum Citoyen, regroupant les jeunes de la RDC, a recommandé ce vendredi 16 septembre à la MONUSCO de publier son plan de retrait. Pendant que Bajel a raison, il a touché pour mon clé. C'était hier. Le lobby dans la dame, le lobby, perception plan à bien de Bozo Longwa. Et ça y a Koïna, et si y a Indiao. Alors, le coordonnateur de cette organisation, pro-démocratie, Martin Milolo, a fait cette remarque à l'issue d'un échange avec la chef de la MONUSCO. Bintu Keita. Il a également appelé au renforcement des capacités opérationnelles des casques bleus afin de mettre un terme à la présence des groupes armés qui pullulent l'est de la RDC. Cette structure de jeunes fait sa demande à une année après que la chef de la MONUSCO, Bintu Keita, et le premier ministre Malukodi ont procédé à la signature du plan de transition pour le départ échelon de la MONUSCO. Bango déjà bazo signé ndeni bako kene na EDC. Mais ba jeune balo me bolo bango pole le pa na biso ba congolais to yeba po biso to yima yima ni se te ke dat bou bozo kene. Toyoka Bintu Keita après Toyoka ba jeune ya mouvement forum des citoyens bon to continuer mission na biso. Toi Kinshasa pour parler de la mission onusienne en République démocratique du Congo. À quand le retrait définitif de la MONUSCO du territoire congolais? Madame Bintu Keita, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, affirme que ce retrait est acté depuis 2014, bien avant les manifestations contre la MONUSCO, ce qui a été effectif dans le Kasaï en juin 2021 et dans le Tanganyika le 30 juin dernier. Madame Bintu Keita l'a dit au cours de l'édition spéciale du magazine interactif Parole aux auditeurs de Radio Capi, enregistré hier vendredi 16 septembre 2022. Écoutez un extrait des propos de Madame Bintu Keita, choisi ici par Innocent Fadili. En fait, le retrait qui est demandé par tous est un retrait qui est acté depuis de très nombreuses années, puisqu'il y a plusieurs années en arrière, les casques bleus étaient partout sur le territoire congolais. Maintenant, nous sommes essentiellement dans les deux provinces du Kivu, donc le Sud Kivu, le Nord Kivu, et aussi en Ituri. Et donc, si les gens suivent exactement le travail de la MONUSCO, ils se rendent bien compte que nous ne sommes pas en train de rester là où le gouvernement, les partenaires, les agences fonds et programmes ont pris, d'une certaine manière, sont en charge, ont pris la relève. Et donc, nous concentrons sur les trois dernières provinces qui sont donc les deux Kivu et l'Ituri. Pendant ce temps, le mouvement Forum Citoyen, une structure qui regroupe les jeunes de la RDC, et recommande à la MONUSCO de rendre public le plan de retrait de cette mission onusienne tel qu'est convenu avec le gouvernement. C'est entre autres ce que l'on peut retenir de l'échange entre Madame Bintu Keita, chef de la MONUSCO, et ce mouvement ce vendredi 16 septembre ici à Kinshasa. Lors du Forum Citoyen appelle également au renforcement des capacités opérationnelles des casquets bleus afin de mettre un terme à la présence des groupes armés en République démocratique du Congo. Il est dit à Paul Matendo. Nous, aujourd'hui, on a retenu qu'il y a un certain nombre de choses positives que la MONUSCO fait, mais qui ne sont pas connues. Il y a aussi la responsabilité du gouvernement sur certaines choses qu'il doit faire, mais que l'opinion essaye de mettre sur le compte de la MONUSCO. Et nous avons dit que c'est de la faute de la MONUSCO aussi de ne pas communiquer sur les responsabilités qu'elle a et la responsabilité du gouvernement suivant le plan de transition. Nous avons recommandé à la MONUSCO de pouvoir d'abord communiquer davantage sur le
le plan de transition, c'est les choses qui se sont échangées avec le gouvernement congolais. D'abord ça. Ils doivent aussi avoir le courage de demander le renfort en termes d'équipement, en termes de renforcement de capacités. Et nous avons demandé qu'ils puissent transmettre notre message au niveau du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, par exemple, Bounagana est au mai de M23. Les Nations Unies ne peuvent pas s'avouer inefficaces par rapport à un groupe armé, même s'il est soutenu par le Rwanda. Et puis, la... Chers téléspectateurs, tout l'année, nous sommes sur Bintouquet. Tout l'année, nous sommes jeunes. Commençons avec Bintouquet. Elle a dit ceci, que nous sommes maintenant préoccupés pour seulement trois provinces. Le Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Alors, plan à Bamosa depuis 2014, même Nicolo Babuto signé signature na Samalukonde plan de sortie au Nebazoukine. Mais la date n'a pas été communiquée. Monusco ou Melimingi. Tana RDC et Bendi Bendi ont voulu et tous. Bah, yon a massacré le route. Alors, bah, j'aime ou y'a forum de citoyens ou de l'Andiwana. Bah, l'obé va penser sur plan avant. Parce que, est-ce quoi tout ça va problème? Ou y'a qui va tanguer dans Bounagana et tous. Bah, l'obé, non. Ma perception le plan, il y avait des pas autre aussi en Samalukonde. C'est d'ailleurs, il y a une date qui a été au Bayokana. Ma perception date, Oyo, ben on va quitter la RDC. Donc, maman, à côté de la jeune, et y est lié. Pourquoi va dévoiler date? Pourquoi dire seulement, voilà, nous allons quitter et tout ça? Ben, on va couper sa date parce que, ben, il que date sur le 2024, les Congolais vont être d'accord. Mais je sais que ça va foutre mon goût. Claire, c'est 2024. Donc expliquez-nous pourquoi c'est 2024. C'est l'opposition congolaise. Bloc patriotique, ESID, Batouana Nyons, PPD, FCC. Donc, tout va être en opposition. Bango. Baloba Kibouy. Que 2023, Monusco Fazana EDC. Pour la Nini, pour Azala témoigner l'élection. Yango Monusco Pazuma Papou que 2023 pour Zana EDC. Dont la date menez à pousser la 2024 plan de sortie là-bas. Bah, j'ai le mouvement des citoyens, puis je viens te dévoiler Bino. Et ça faut à banani, il y a un opposant congolais. Et le babouné moussou qui est na RDC, bon opposant, bazan a bangouti. Bazan a besoin qu'à ma poste, bazan a poste, bazan tingama, ma soule et tambour. Alors, bon opposant, on a, bah le mina monosko kouti et dit. Bisous à la posa na yo, osa la témoigne l'élection. Voilà, n'dengue na bisous. Bino na bino boyo kanagati. Opposant et présent Fachi Bayo Kanakati. Vous avez un bon cas et des siwap. Quel exemple vous avez l'axe à ma Congolais? Tant vous avez l'axe à qui va conduire un bon cas ou vous avez une opposition, na bango va conduire, vous avez l'axe à la ma Congolais. Donc ce n'est pas ça. Mais tout le monde a volonté que ta chef de l'État il a tendu la main. Mais vous avez l'axe à ben dani na bon akou. Mais vous avez l'axe à mon panzi. Donnez un exemple. Bako Koutana Kadimo, voilà. Na quatre assemblées nationales et si d'azate mais faillu va bien que ça qui est ok n'a quitté donc en tout ça pour crier pas problème alors maintenant va jeune va écoloba mon escape sa plan de sortie et ça va au lobate mais ça 2024 parce que opposition va coûter la qui va linga qui était et ça là va en bas à la 2023 comme ça va en elle. Bota la bandeko, mboka ndenge zo tambula. Ça fait mal, mboko to zanamo. Bino na bino bozo yo kanate, opposition ba lingi kaka e bango ba zalawana année prochaine. Talaba jen kongole, mouvement des citoyens, na ke kokuta na ba emelie bisa biso. Officiellement calendrier na bino, quand vous ne publiez pas, c'est qu'il y a des choses cachées. C'est ça.
bazobang a peuple a yeba ke bo ke na 2024 mais ba congolais to yeba ngo libera ke ba ke na pré élection parce que FCC PPRD bloc patriotique et site bato yo nyon so na Frank Diongo bato tout le monde wana yo opposition ba lobiété faut yaza la wana pon élection comme ça ça comme témoin monoscopé atinga mina yi a continue ba cop na yi faute nani faute biso moko comment bato bo solo la kati boyo kana kati voilà les problèmes auto zanango il y a même des opposants politiques Azana en mona motema entre bino bozo yo kanata to pesa kombote bango na bango ba yebi entre bango biso zana biso kala katikati tozo pesa message boluka bosolola pomboko eke bien sin aujourd'hui ba rwande ba kosa kanaka kokota kana est et tout ça c'est parce que tozana boyo kanate ba rwande pe ba yaka pe ko diviser biso maintenant ba congolais tozala prudent na oyo nyonso ya monosco mena toyoke parce que monosco auto lobana tulandi bango bana posa bavanda bango bayebi ba agenda kashi na bango mais nde ba jeune balobi retreme ba bunagana pourquoi pas bango ba kene pression na ONU batia pression au lieu que ba minduki meme beta poso bango ba sala ngo minduki pe beta mate bato ba okite directement alors mena tu yebete makaminene za boyoka po ya suka précieux ya kama kasi likola gouvernement pour l'occupation ya bunakana alo bandeko tolani monosco te ibulo oyo ba ambasarakate mena to le kana deuxième partie ya premier point conseil en matière stratégique à chef de l'état vidie chibanga de tobe nga ex conseil parce que c'est à l'ombre. Il a démissionné. Beaucoup yo ka démissionné. A kine ko pesa mo pa chef de l'état. Parce que yebi ke ba obenga na ye. A yebi ne ka sokine. Ye mo avance à sa ka démission. Mais a ye ko loupa. A liga ki na jeune Afrique. A ye ko explique al bi nga na pesi démission. Na o nyonso o ile ki. Mais nga isi koyo. Na komi libre na za su kosete nga su ko bitumba na ba oyo banduka kingai a déclaré la guerre contre soi-disant les faux investisseurs et mena chimanga alobi tozala bitumba ao o baloba ke si yindi mote peli ya kusakana ti bande ko botala ndenge mote peli Bokoyoka message ya Chimanga. Akeko se confie na jeune Afrika sale interview na ye a pesi de monsieur Pafachi et mena a sort de son silence. Alobi pona ye ba montage ba monte ekou et tout ça mais ba Kongole baza témoin. Batu nyonso mese Chimanga jiu do comprendre que za ozaki pige. Mais futezana ya yomoko. Je sais très bien qu'il regrette son boulot. Aza la vrai boulot oyo batu musupe bazolu ka baza place wana. Okuta chef de l'état. Mais makamusa lobaki. Que voilà za relative ya chef de l'état. As approche nae donc basala ki propagande a fachi yem ta sala ba tout ça avant fachi a kota na pouvoir en tout ça pourquoi yo lo makambone pa be investisseur ça rien na voir makambe election le peuple investisseur bon yango o bazo benga trafic d'influence on laxa le degré ya ba relation o yo zanango na chef de l'état et maintenant Chimanga après mbutu mbutu ba Congo en tout cas ba congolais et so ba jionere encore mikolo eh monsieur sur réseaux sociaux ça na sou mais yo ça a problème alors média suisse on va publier qui en voilà situation il y a Vidi Chimanga a ça obligé l'équipage en Afrique a mis ça d'autres secrets au d'après
alobina mikolo koya ba Congolais bozida mboyoka vraiment solo akomi libre yesi koyo akonuka batwana nyonso oyo ba yakosala interview batwana yera chibanga obano bakamote peli eza ya koyinda esi eyindi chibanga contre les faux investisseurs oyo ba yekolongola ebulu sikoyo malgré tout ça malgré pied oba piégé à qui la faute faut se condamner yemoko alors sans plus tarder ton yoka message à Chimanga à se confier qu'à Jeune Afrique bongo to continue mission à Bissot Chimanga sort de son silence démission de Vidi et Chimanga conseiller stratégique de Félix Tshisekedi spécial en matière de stratégie du chef de l'État a démissionné de son poste ce vendredi 16 septembre, rapporte les médias Jeune Afrique qu'il s'est confié. Il était au cœur d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, les mêlant à une possibilité tentative de trafic d'influence. J'ai déposé ma démission ce matin. Ezaya Koinda et si Indi auprès du chef de l'État. Une démission mûrement réfléchie afin d'avoir toute liberté de dénoncer et de lever le voile sur les commanditaires de cette machination. Anobia Kolongo la bango nyonso, lever le voile sur les commanditaires bateau tout basale ba plan. Bon bon gama, tu mangazo ya, bon zala prepoye goza ya koinda. Cette démission passe à lui bien que, ainsi, démontrant les preuves à l'appui, les manipulations, le détournement de mes propos a annoncé Jeune Afrique Vidi et Chimanga. Cette démission fait suite à une publication jeudi 15 septembre par le journal suisse Le Temps de plusieurs vidéos dans laquelle il négocie de l'argent auprès des investisseurs. Vidi et Chimanga parle de manipulation. Ezaya Koinda, Sigoto Yoka, message. Et puis, parlons en plus bref de cette démission du conseiller spécial en matière stratégique du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vidi et Chimanga a démissionné de son poste hier vendredi 16 septembre, rapporte le média Jeune Afrique à qui il s'est confié. Il était au cœur d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le mêlant à une possible tentative de trafic d'influence. Cette démission fait suite à la publication jeudi 15 septembre par le journal suisse Le Temps de plusieurs vidéos dans lesquelles il négocie de l'argent auprès de pseudo-investisseurs. Vidi et Chimanga parle de manipulation. J'ai déposé ma démission ce matin auprès du chef de l'État, une décision mûrement réfléchie afin d'avoir toute la liberté de dénoncer et lever le voile sur les commanditaires de cette machination et ainsi démontrer preuve à l'appui les manipulations et détournements de mes propos à annoncer à Jeune Afrique Vidi et Chimanga. Tant que dans un communiqué publié ce vendredi 16 septembre, le cabinet du chef de l'État avait réagi à la suite des publications de ces contenus. Le document rappelait que la lutte contre la corruption est un des piliers de l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis son accession à la tête du pays en janvier 2019. Chers téléspectateurs, Oval Bakamote Peli a décidé à Pessini Ninaye à lobby. Batwana nyonso a ko dévoiler bango tout plan na bango tout basala epona Yesu a komi homme libre aza sou conseiller chef de l'état Yesu a ko leka na media siko yena bango mbutu mbutu Chimanga na ba faux investisseur to koyoka beno yoka bazo beta na maboko no oka tout yo sakana nga yo oka mubule koibo siko media wana Suisse au sala bagouni. Bamba sale boulot na bango. C'est ça les médias. Papa Chimanga, osa tja na faute na onde kurangai. Yahir, osa de la part accepte ça. Et ça va leçon que na futur, parce que maintenant, osa na sou na boulot na te. Et comme moi passe donc, osa na problème sur. Et puis président de la République n'a ndenga caractère naï, n'a ndenga ba congolais ba yebi et c'est fini. Il avait dit ouvertement tant au lit à ensemble. Soko kutina makambwana. Oya zoboya.
bakangiona ba preuve bosila soboyo sola na bino bosola mais côté boulot et ça passe voilà ma kamou tout ça va témoin tout mon ma kamou belle donc son hôtel la chimanga et ça moi passe en tant que na boulot na ye ou asake nango a perdre mon sala yena famine pour le moment en tout cas ça fait mal motunyoso que ça la boulot na bien boui mbalamo boule baby bikolo ya nini trafic d'influence mais na vidéo wana malgré yazo silika ke yazo ke revanche na bango ke yeba ou dévoiler bango voilà le problème mais azana pwene moko akokanga batuyu soka azana mbongo nepe na bapeye europeen kolanda bango pourquoi batwana wi asalaki mabe a trafic d'influence mais batwa so basape ba faux investisseurs donc entre bango pe na niveau a suisse eza ya kuinda na chibanga pasi yeba olukavuka bakokende donc badomage ekosala mape na kote ya media mpo na ye soki media wana baza na bango bamedia ça va mais soki bakosaki kobima bainvestisseur wana baza pe na problème c'est ça dossier place niveau eza yango yeba alobi ke bakomandite bango nyonso bamontaki ku wana yeba kolanda bango parce qu'alobi ke akomi homme libre akosesrume na ye à l'aise alors bandeko nanga c'est à ce point totiki premier point tokomo kesiko na deuxième point cher téléspectateur, tu comme na deuxième point na biso. Bandeko, awa, oba lubaka ke yindi na Ituri. Bakangi Badef is a ton homme de 5. Bango moko baza ko s'exprimer. Badef wana bango baza ba collaborateur, baza ba recruteur, bango ba recruteur. Botala buzoba ya bana na biso to evite ba mswa sope baza ba kongole on n'a pas défini ba luka ke 5 ZDF bandeko baza wana ba on ba recruter ka batu et puis baza ka en contact avec M23 to kuyoka bango bandeko c'est di ba kenda pe bunagana donc baza lien mais ba on ba recruter ADF donc so to otala M23 va sur la coalition à ADF. Point d'interrogation. Alors, Samsa Kibango, lobby peut nous expliquer tout ce qui est le talent. Alors, gouverneur Yaituri, le boya Kachama, a pris la parole, il a colobaké. A sengé la bango nyons, passe au salama. Que ba jeune beaucoup tina zamba bozo recruter batu moza mwana ya Ituri ozo recruter sou bana ya Ituri baya ba boma lisusu bana ya Ituri bandeko makambo ler moso tala ngozo mwana on normalité ce n'est pas normal en Ituri a ki a jipe mbeli na ADF a epe abominde kuna ya Ituri est-ce que lavage de cerveau. Est-ce que bana oyo bazaka mvuti parce que ils ont ça la peine propriété. Comment vous prenez les armes contre l'Iturien à Iturien dans un seul but. Et comme Moussa na yo, au Gaembo on a ADF comme recruteur. Bande ils ont ça la mawa. Bazolo babango moko bokoyoka buno na bonde basala le gouverneur est tu la jacket par alobeze sultante to continue boy boya dede se jobanda botika minduki botika oyo bozo sala kokota zamba ba jeune botika parce que batu wana bozolanda ba ADF wana tu batu wana tu bako kende tanke ba force kutonde bele na S tanke FARDC s'organize batu wana bako kende
Botika, boyoko gouverneur à lobby. Ma chaîne est tout ce mot en démission. Quittez la bourse. Vous perdez votre temps, vous commettez ma crime contre Bande Konabino Moko. Vous êtes tué, vous êtes en train de vous entretuer entre vous. Comment vous avez armé, vous avez des couteaux pour tuer un tué, mais vous êtes tué en vous-même. Il est temps de quitter la bourse. Parce que, Ezako Memabino nulle part, Tala et pas une province Ezakoukene. Vous êtes la province mon riche à minerai. Bino na futur, boko mona mboko soke bongi, boko mona richesse tozana ngwe sila kati, ya sama bele boko zwa misala. Me ba investisse bako ya na ituri ndeni so bino bozo boma banyo. Bobi mana zamba. Alo, toyoka ba adefo bakangi, toyoka po gouverneur alubi, bon to continue mission abiso. Le recruteur est ravitaillé des ADF en lien avec RDF M23 aux arrêts en Ituri. Arrêté en début de cette semaine à Boga, territoire d'Irumu, 5 présumés ADF ont été présentés ce vendredi au gouverneur militaire de cette province. Selon les porte-parole de l'armée, lieutenant Gilles Ngongo, ces présumés rebelles ont été appréhendés pendant les opérations militaires au sud d'Irumu. Cet officier militaire explique que les services de renseignement suivaient leur piste depuis quelques jours avant de mettre la main sur lui. Il a accusé certaines personnes de cette contrée d'aider les ADF à recruter les jeunes, à s'approvisionner en armes, vivres et munitions. Aujourd'hui, je suis placé à Afundi Patunaïtouri. Les rôles de la patronne sont fondés à des hommes en cravate. Afundi bango, si vous battez bango. Alors, d'après l'armée, cette bande constitue de 5 personnes, dont 2 révèlent être venus récemment de Bunagana pour travailler avec les M23, ont été arrêtés lors des dernières offensives militaires menées par les FARDC dans la région de Boga, en territoire d'Irumu, dans la province d'Ituri. Dans la foulée, le gouverneur militaire de l'Ituri appelle les jeunes de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, Kodeko, Fepik Zahi, arrêtez de faire tuer vos frères. Arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Arrêtez en attendant le désarmement. Démobilisation arrive. A lancé le général Luboya. Bah, il s'y va chenonde, aux hommes en abango 5. Bah, recruter, bah, ravitailler et ADF. Bah, que nous sommes les ADF, loco. Bah, que nous avons recruté ADF, bah, tout. Bah, même les bango, pas à ADF. Vous êtes tuerie, bah, jeune, aux hommes en bande qu'on a eu. Et tout ce qui se passe, voilà d'origine, là-bas, on se voit à la mix au Rwanda, au Boué. Donc, ça va passer. Ce qui se passe à l'Est. Mais là, c'est très important. Et ça, que message au gouverneur. À l'objet que Botika. Et ça, Mawa. Ils ont accusé certaines personnes de cette contrée d'aider les ADF à recruter les jeunes, à s'approvisionner des armes, en vivres et en médicaments. Bazana wa naba batu na kati ya Ituri bazoma cravate bafundi ba jeno bafundi ba ifale batanga bakomboke bokanga batu wana oyo baza ku ide ADF na recrutement na ba arme na ba médicament. Voilà ce qui se passe bandeko eso salama wa. Ce n'est pas possible. Bis bino na bino bozo bomana. Iturie na iturie okoji okoti na ade ozo recruté pour ba boma bande kona yo. Ya bande ko makambo so tali za normalité. Tebi de so ba mputa ba mo koma. Pe ke sa lo kola ba secte oyo bo koti bo sie ba kontra bo mela makila ba tu. Donc c'est difficile d'expliquer tout ça. Toyoka
les 5 ADF Toyo Kapé gouverneur. Bon, on peut continuer, monsieur. Ils sont au total 5 de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADEF. Ils ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité dans la région de Boka, Tchabi, aussi du Rumu. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de l'Ituri, ces malfrats sont passés aux AV et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Oui, papa James, Tanita. Chaponita n'a bien non. Petit, ni kamatia kakapoli ou kakibize wapi, bog, nakashukisha paouyu. Sadiki. Bon, à partir de là, si vous pouvez aller à ma vie, tu viens de la destination, yawa. Oyo, elle va aller à Sherzi. Sherzi n'a pas de tafuta, tu n'as pas de bogoro, tu n'as pas de musique, tu n'as pas de bog. Le lien entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs de ZADEF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où deux membres de cette bande criminelle sont venus de Bounagana au Nord Kivu, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni d'interpeller certains jeunes coopérant avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Et je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Codeco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères. Arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est elle, c'est elle. Non, arrêtez. Je l'ai dit encore hier, rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive, elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais assez. Le temps de siège a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels en Ituri. Pour preuve, il ne se passe pas deux jours sans que deux membres des mouvements insurrectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité sous le commandement de lieutenant général Luboyan Kachamadjoni, ce qui démontre la détermination du commandement. Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi gouverneur, Tolandi obajen basa ko expliquer ba no bana soyeli. Mais na malobana ba expliquer il y a un point où est très important au tangi. Que ces 5 jeunes ont accusé certaines personnes à Ituri. Ba recrutaka. Ba sa provision ba arme, na ba munitions et pas ADF na ba on y place où yo et ça la capacité. Parce que ça me fait mal. Entre vous, sont tali batouane, y'a ba geno yo. Il faut pas l'axa batouane, y'a nda kuna bango. Ba konje fou olanda yango. Bo kanga ba oman cravate wana, oba travaya kana bango. Ba fondi bango. Zobana. Alors. Mene komita ba kanga bango, batouana, ba yako se pourquoi ba osa ba kanga ba matia ba na prison. Et puis so bo kangi bato ADF na prison. Bo tika bosu na prison ba ituro, bo tira mo na Kinshasa, ba yako vivra ta na makala, na selemba o ba yako na. Po kuna tozo ka bazo buka ba prison bazo kima. Alors, voilà la situation. Se ba jen o yu ba kangi ba, on pe ba dévoile ma kanga. Alors, tout ce que le message y a, gouverneur. Alors, ba geno, oh Kodeko, Epic, oh Zayo, Bobima. Quittez ba groupe criminel wana ou ba zobo mabatu. Bisope Kongo News 24, toujours le banabio ba geno, so bozo la démission. Bo quittez ba groupe wana. Bientôt, DDRC koya na porte nanda. Boko zwa misala na bino boko sala. Botika makambo ba groupe armé. Bandeko, asa ba recruteur pe bateau basa ko approvisionné. Et puis basa na ba homme en cravate na ba ba accusé ba ngo ke ba kendaka. Ba zwele mo ba arba armo sko ba somba ka wapi. Bandeko, nous avons toujours un problème. Tant oyo kabui.
Tout ça n'a problème. Elle m'a toujours déclaré oui. Dès que tu vas l'émission passer, il va conduire ça là tout. Mais il va conduire ça n'a problème, c'est lui. T'as là, ma cambo fatia et kokutambo kambo, t'as là. Corruption, tina kouboma bande konomoko. Pendant les 20 ans, je me demande. FCC, PPRD, je m'excuse, FCC Koudouti, PPRD, Binomoko, PPRD pendant les 20 ans, Bossala Kinini. Hein? Ma groupe armée Oyo, Son Excellence le Président de la République Aïko Kouta. Pendant que Fatia Yokouta pays n'étant pas comme la mouti. Il faut tout le monde ouvertement. Il y a les hauts et les bas. Mais tu y es été beaucoup ya coûteza difficile. A koki ko djwa pena résultat te kaka na 4 ans. Mais tu as l'espoir. Le kona gouvernement Fatima Zara posa. A koso mboki ko bo. Mais le problème qui est tant aujourd'hui comme a solo ya boy. Que anituri ya des hommes en cravate. Bazo travailler na ba jeune oyo. Basa ko sa provisionner na minduki na ba armes na ba médicaments et pas ba rebelle po bo boma ba ya ba boma su ba ituri non l'état bo changer ba loi bo sa bato basa bato mo ba mérité pe na peine de mort na makambo bazo sa bazo boma bato combien tambo kanga bango fu ba za punition mo kama kasi. Autant la situation de Zanongo Bandi qu'on a beaucoup en abysse. Les pays, bah, coûtent à mon moussika. Et j'en dis, malakate, les boulou malembe, malembe. Les boulou en exemple, laïdo malembe, t'y va au misa, et bien, c'est la liboulou. Bah, coûtent banque, talama doussou. Banque centrale. Partout que vous les doucez, mon aîné, les doucez, vous avez mis à gaba million, les doucez, vous avez mis à gaba mille de dollars, les doucez, vous avez mis à gaba milliard de dollars. Les a dégrés, ma doucez, Fatia Kouti, la banque centrale. Maintenant, avec Nicolas Kaza, il va venir au Kanga, ma doucez. Parce que Baba, ma doucez, banque centrale. Côté qu'on a payé inspecteur, la lingue, t'as son salamassou. C'est ça. Mboka obali nga bato. Mais, il y a des bandeaux qui a Congo, des toyeux qui va gêner au kangi, va gêner au lobby, il y a des gens en cravate. Certaines personnes en Ituri, ba on est konzi, ba agent recrutement. O bon ma ba Iturien les sous. O a sa proviseur ba rebelle la Mindouki. Ah, ma wato. Allo, ba de gounanga. C'est à ce point, tu tiki deuxième point, tu moke na troisième point. Bandeko nanga to komi na troisième point na biso. Bandeko troisième point o balubaka e yindi entre Mboso et Kagame. Boyoka oyo Mboso alobi na Kagame président ya Rwanda. Arrêtez ya ko manipuler armée rwandaise contre ba Congo. Mboso habit trop c'est tout. Rentrer parlementaire a nyati discours moko bandeko yako sakanati. Mais avant discours naï, avant tout yan Mboso. Et ça tout le basi sit in Oyo et Salamaki na Assemblée nationale. Les mamans ya Nord Kivu. Baya ki devant l'Assemblée nationale koule la naba konja mboka pou ba libérer Bounagana. Ba le ba ko salam pété sans Bounagana. Boye ka une émission passé ki ba ougande naba ba Rwande ba installer franc Rwande et comme li a makuna ba boye franc congolais. Ma kambo bazo sala ma bekuna yangozo kambo sa siliki na ndenga usakanati toyo tozo ya na pona maana tozalina ba mama ya Nord Kivu ba e sit in
devant le palais du peuple ba télémi baza kuluba ba mama oyo ba singi na ba konja mboka la libération immédiate ya bunakana. Il y a des stratégies pour ce bon ça. Peuple a eu bine wanati. Peuple a eu kaki pour libérer. Mais ton de expliquer population. Et tes situations est difficile. Selon des sources propres que Bazako s'est préparé. Tu auras gouverneur Oano qui vous nous indique. Alors que nous sommes en train. Yako bongama pour nous récupérer Bunakana. Mais bakolo bango na mikro le shooti ba stratégie militaire mais toujours senga na bande konyoso. Oui, vous avez patienté déjà 3 mois bokanga motela ndé toujours mon gouvernement penaza azo bongama mais nous savons que c'est difficile parce que biso toza porte parole ya peuple. Ezo sala passe ta ou ezo soa. Ba konza mboka, message ba mama ou bandeko. Après mission bo partage. Eza ka po bati a gouvernement pression, e sala manoki. Parce que gouvernement zana ba plan a yon mousousou. Mais ta ezo soa. Bango ba sala akuna. Ba koki suko patientete. Bango tuna Kinshasa o. Wow. Na Assemblée nationale oh wow. Babi ah papa mbosu yebisa ba gouvernement biso to kokili souti yebisa pa fachi biso ato kwa 3 mois déjà tout la EDC koko avancé te sambu na kana bwana kata message na bango alo totanga toyoka pe oye ba mamo balubi bon to avancé na mission. C'est difficile, Bandeko. Avant toi, il y a un message en Bosso. Ou à l'obéli Kagame, tu es à côté droite. C'est une des femmes du Nord qui va à l'Assemblée nationale pour exiger la libération de Bunagana. Ma maman va télémi devant l'Assemblée nationale. Ensuite, une devant le palais du peuple, ces femmes ont déclaré qu'il n'y aurait jamais de paix à EDC. Sans Bunagana et ses environs. Elle exige aussi de renforcer les FARDC au front sur le plan logistique et financier. Bah, le plus bas bon sambongo pour la FARDC, base à la financièrement. Très bien. Puis bah, renforcer bah, on a l'équipement. Bah, maman, on a besoin de vous, Sabino, et on a déjà ça. Bazad, Djaouki. Et le Tikarato, il a un coup de siffle. Nous sommes venus à la suite de ce qui se passe dans l'Est, notamment à Bunagana, qui est connu au niveau international. Et nous, étant des mamans, nous sommes venus juste demander la paix, que la paix soit à Rutshuru, territoire, dans les groupements et à Bunagana. Nous sommes la population, nous avons élu nos parlementaires, nos députés, qui parlent à la place du peuple. Aujourd'hui, ils ont de retour au travail. Alors, nous sommes venus leur demander par rapport à la situation de Bunagana qu'ils ont constaté et quelle est la solution qu'ils préconisent à déclarer Bénédicte Béni Mézé, membre de l'association Mao, ya ma femme, ya Nord Kivu. Alors, sans plus tarder, Toyo Kaba Mama Oyo, Bongo, to continue mission à mission. Pendant ce temps, les femmes du Nord Kivu regroupées au sein des associations qui militent pour la promotion et la protection des droits de la femme ont saisi l'occasion de la rentrée parlementaire pour faire entendre leur voix
notamment en rapport avec ce qu'elle qualifie de silence notoire des institutions de la République sur la libération de Bounagana et ses environs, occupés depuis plus de 3 mois maintenant par la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda. En sit-in devant le palais du peuple, ces femmes ont déclaré qu'il n'y aura jamais de paix en RDC sans Bounagana et ses environs. Elles exigent aussi que les soldats qui se battent au front soient appuyés convenablement sur le plan logistique et financier. Chez Télécitaté, tout l'andi, ma maman. Tout l'andi, où est-ce que les cas? Tout y'a qui s'en passe. Tantôt, t'as ma situation, oui. Tantôt, t'as ma problème, oui. Ça fait très, très mal. Bandeko, est-ce que vous avez dit? Comment? Tant où est-ce que peuple et ça les passe. Il y a un beau remarqué, mais colo vraiment, bisopé tout a la pression, peu qu'à la gouverne. Toi, il y a bien été basé, c'est préparé. Mais jusqu'à quand? De façon, vous êtes aux autres là. Est-ce que basé, c'est la force régionale? Et puis, tant au tali, déploiement force régionale. Tout ce monde a qui fait d'ici. Na armée kenyane bango bazana Nord Kivu don bamba ko banda déjà passe ba sole si banda ki bande ko Sud Kivu armée burundaise na fa de si bazo sala bulu na bango toujours une mission mo pona Sud Kivu don au Nord Kivu fa de sa ko banda ko attaque mala moko bande ko to comprendre. Que tu as lié au peuple à l'objet photo d'Oba. Tu l'as dit à maman, non, qu'il faut. Tu es devant ma parlementaire. Tu es que tu as besoin de mon salaire. Alors, ma parlementaire, bon, l'objet de l'objet était pas libéré de ce Bounagana. Voilà un message à ma maman. J'ai assuré ce message à Yokani. Ma maman va s'en apposer à ma zone de la village de Bango. Oyo. Armée rwandaise na M23 bakangi. Bisous to yebete bakuvanda wanati. Teyina sete bakokendi. Mais le temps est au soir. Il se consolide. Et puis baza ko yiba. Baza ko piller. Baza ko maltraiter. Commis des actions. Passer par là. Dans Bounagana et aux alentours de Bounagana. Ce n'est pas possible. Maman va le bisan Bounagana. Et ça va la mouté. Ma sengi n'a pas conja mboka. Ma armé na bisou. Ba yako bengana batou. Et puis ma sengi le sou armé na bisou. Ba zana financièrement bien payé. Ma sengi armé na bisou. Ba zana bibounde la makasi. Maman message yokani. Mais yeba ete gouvernement diazou sara masou. Ma soleil est en bien. Question de ma Congolais va comprendre. T'es con. Toyoka il est là. Toyoka biloka moto. Ya Chine na ya Rishi. Toyoka neko le la kuna. Bon mou kola mwa. Pwa koma ta frontière rwandaise au paratamba mwa. Bazana tanki. Onga na ngomba rununi. Kaga place oza na ngomba na ba yo lance une roquette. Botinde la bango. Ata Satan de ki dika e panziga anyos. Ano. Comme il se prépare. Tozo mwa loko la bango zela. Force régionale. Babanda. Ou bazana bango ensemble. Mais. Peuple a komi aze sou. Do patience ici. Yawa maman na ba ye. D'assemblée nationale. Bandeko. Soko zota la ba maman ne ba ye. Ou comprendre. Que ba maman ouyo bazana souci en mboka. C'est ça Congolais bon l'andi ba maman. Bazana posa village na moza libéré. Ba reprendre ba activité na ba comme d'habitude na ba village na ba. Alors, ce qui ba maman tout bazo lo musika ko yati na palais du peuple. Bazana posa libération totale. Ba paya ouyo ba introduit na ba monnaie.
na bango wa franc rwandais na kata bunakana bazo kite kanate otona bazo sala basolo kanate to kupanza bango ave ba arba moto facha sombi to bwake na bango kande bazawana ba pakata bango mais point d'interrogation message à peuple balobi balembi ba kokili sujuti ya ontina ba ye devant sit in devant le palais du peuple ko senga na ba député ba élevé voix allez mbala moko fa DC bende le ko ya te biso nyoso ba avance allo token de menana mboso e kagame mboso e le président rwandais mote pelé alobele directement allo bato rwanda ko yaso tanga kombo na ye ke arrêté oazo sala tout à ma bandeau peut avancer mboso yindi si Kagame arrêté de manipuler l'armée rwandaise contre RDC mboso appelle à Kagame à arrêter de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais dans son discours d'ouverture sur le plan sécuritaire Mboso a souligné que l'Est de la RDC est toujours en proie à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers, parmi lesquels les groupes armés terroristes des ADF, CODECO, M23 et autres groupes armés qui sèment la mort et se livrent à de graves violations des droits humains parmi les populations citées, civiles, ainsi qu'au pillage des ressources naturelles du pays. Nangoyiba, Nawa Minere, tout ça. Pour lui, il n'est un secret pour personne que le Rwanda apporte son soutien militaire et logistique aux activités du groupe armé et terroriste du M23 dans la déstabilisation de la partie Est de la République démocratique du Congo. Alors, Mboso a acquisé directement le président Rwanda, que Yone, Moto Salmakambo, qui a manipulé l'armée pour qu'il n'y ait pas Congo. Nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais, a-t-il déclaré. De ce fait, il invite le gouvernement à tout mettre en œuvre à travers la loi de finances et l'ordonnance loi de programmation militaire afin de doter les forces armées et de sécurité davantage de moyens matériels et logistiques susceptibles de leur permettre de faire face aux défis sécuritaires et préserver l'intégrité du territoire national. Bah maman, vous voyez que message est au calme. Notre peuple est laissé de subir cette insécurité chronique. A lâché Mboso devant, avant de saluer l'action diplomatique entreprise par le président de la République, Félix Tshisekedi auprès de ses pairs de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, de la communauté de l'Afrique australe et de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, envie de ramener la paix et la stabilité dans la région en général et dans la partie est de la RDC en particulier. Mboso alobi ba pesa FARDC ba moyen makasi bibundeli ya solo pour l'intégrité territoire en mboka na biso. Donc, message wana et ça clair. Ola ba mame yokani, Mboso azoyeba sa président rwandais arrêter de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Alors, pour le moment, vous soutenir M23 logistiquement, vous soutenir Bango. Il y a un arrêté mission na Bango au Bazo Sala à l'est de la RDC. Donc, bino ba Rwanda, vous avez déstabilisé Mboka na biso. Alors que, ba retour sorti sa Rwanda, ba tondi na RDC. Voilà le problème. Mboso alobi ezo sala propriété yango alobeli président ya Rwanda parce que tant azo tanga kombone devant l'Assemblée nationale message que message yokan na mokili communauté internationale présent alors tomeka ko développer oyo Mboso alobi. Bandeko Mboso a tomboli mongongo contre le président rwandais Kagame. A
arrêtez de manipuler l'armée rwandaise contre les Congolais. Arrêtez de soutenir les M23, continuellement bloqués logistiquement et tout ça. Et puis, message, je vais m'appeler si à répondre. Que FARDC va équiper Bango dans ma matériel à solution. Autre yébi, DG Sali, monsieur Zango. Alors, et l'autre, tout le monde, les amis. Président de l'Assemblée nationale, a l'obéli et ce qu'on en face. Parce que message, il y a un tangi Congo, à l'obéli Rwanda, à tangi Kagame, arrêté de manipuler l'armée rwandaise contre ma Congolais, Oezo Salama, Abunakana. Vraiment, félicitations, président de l'Assemblée nationale. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que le gouvernement n'a pas avancé. Mais le temps où ils ont soit. Quand nous avons besoin de démission, nous avons dit que tant et si nous avons dit que tant et na, mais nous avons dit que nous mais, ma kamon peso koma na souka. Toko vivre vraiment solo. Ma kamon ki toge kosa. Alors, voilà la situation. Bandeko, problème oyo, est un problème très très sérieux. Oyo nde ba Rwanda ba zo sale panabiso. Ma kamon yo un jour ba to yo ba voise ba korigriti. Pourquoi? Basé belé panabiso. Ba Rwanda ba côté panabiso na ndenga mukiti et belé ba zozo ba activité au sanganati. Et maintenant ba action bango ba zo sala et ko créé ba ndeko na mba problème na futur na EDC. Mutu motatika ko posa na bunaka na makambo ili kitika na histoire. Que date ba Rwanda ba kotaka Basalaka buba saba bomaka batubwa bomaka batubwa. Yayi demo. Makambo Uganda utofuta mbongo wana. Rwanda peba ufunde kalate na Cour internationale de la justice. Rwanda kufuta pase ya di preuve ya basolda rwandesi le sol kongole. Kalate toyoka dosi na Cour internationale de la justice na Hollande. Ndenge salama kina Uganda. Comme ça, ba Rwanda ba futa grand bongo. Oye, tout ba yiba kaba minere na bisou, ba futa mbongo wana. Bandeko, l'Uganda sans la EDC ko vivre, tingala nga yisuma loba wana ti. Ba vivre na marque na bango. Soyi ba sana produyo ba li ba somba kaba teka. Mezate ba salaki. Bazo ba mineral so na mayele e katsaka ba kongole ba yibiti et puis bazo commettre vexation ba kote alo tonzonga na message a mboso mboso azaki direct et pas présent Rwanda ki arrêter de manipuler l'armée rwandaise contre ba kongole trop c'est trop ba kongole ba nyoka mina makambo yo e angwana ye a ekolobela président ya Rwanda ki atika Konyoko la bakongole. Trop c'est tout. Bandeko botala dossi et paesali. Alors, sonde to otala, o balobaka moto peli déjà. Ndenge zasi yoko balobaka e yindi, ndebo mona ki na titre, entre mboso et le président Kagame moto zopila. Rwanda, toko oyoka bango kalati. Po banga ministre affaires étrangères ako. Mais il fallait pas louper la bango bon. Arrêtez. Ba manœuvre pour ce sale. Ba plan logistique pour ce la M23 to yébi. Boyer ba franc congolais, ba franc rwandais, kuna to yébi. Lelo. Mais l'hôpital pour que ce soit bilo ka FARDC, pour que ka moto na bino. Bende le kouyate. Alors tout si pour te FARDC, mbo soa indici, a louper le président ya Rwanda. A louper le Kagame. Arrêtez ma kamoutou ce sale. Alors, bandeko nanga tunandi biso nyonso. Bon partager mes missions, bandeko. Ndeko nano s'abonner, te s'abonner kaka pré-mission. Alors, bandeko nanga, c'est à ce point. Te komo clôturer mission na biso. Bon continuer ko s'abonner massivement. Au revoir.
À la prochaine.